Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, encore une fois, en situation un peu ventée. J'ai pris un petit aménagement par rapport à mon micro. J'espère que ça calmera un peu le vent. Je ne le découvrirai qu'au montage, finalement. Il s'agit simplement d'un collant, d'un collant nylon passé deux fois par-dessus le micro. D'après ce que j'ai pu lire sur la toile, ça pourrait confortablement atténuer le souffle du vent dans le micro, quoi. Donc je vous retrouve aujourd'hui plutôt avec une bonne nouvelle. Il s'agit en l'occurrence de la serre qui vient de passer une épreuve, si je puis dire, une tempête en fin de compte. Hein. On a eu du vent qui est monté à 110 à l'heure, je venais juste de la monter. Trois départements sont en alerte orange au vent avec des rafales de 110-120 km/h au bord de la mer. Tout ça au passage d'une perturbation très active qui va traverser la moitié nord avec des pluies parfois soutenues. J'étais pas tranquille, hein. Faut être clair, hein. Je suis passé voir le matin en rentrant du travail, le soir encore, Et ça a plutôt bien tenu. Alors voilà, j'avais pris la précaution ici d'enfoncer des piquets de clôture qui font environ un mètre de long. Je les ai enfoncés très très profondément. Et puis j'ai passé une corde de chaque côté, voilà, j'ai fait ça sur les quatre coins de la serre. Je pense aujourd'hui que ça n'a servi à rien en fin de compte. Voilà, ça m'a rassuré et puis c'est à peu près tout, quoi. Sur le plan, en termes d'efficacité, disons, je crois que c'est plus que contestable. Néanmoins, on peut voir que la bâche avec le vent entre un peu dans la structure et je vais donc aujourd'hui tendre quelques ficelles, de manière un petit peu à retenir la bâche bien à sa place et favoriser une bonne tension de cette bâche. Alors pour les ficelles que je vais installer dans la serre, il existe un produit parfaitement adapté à ça, hein, une ficelle qui ne s'allonge pas même avec des températures assez hautes. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé, donc ce sera de la corde polypropylène classique. On surveillera un petit peu, hein, voir comment ça se comporte un petit peu en saison dans la serre. Et puis voilà, il faut bien garder en tête que rien n'est définitif et puis qu'on pourra toujours remplacer ces cordes par autre chose un peu plus tard, quoi. Donc voilà, je suis à l'intérieur de la serre. La structure bouge un peu encore. Hein, il y a pas mal de vent aujourd'hui. Néanmoins, ça semble résister plutôt bien. Je vais donc installer cette ficelle de manière à ce que la bâche reste à sa place le plus possible et rentre, ne rentre pas trop de cette manière dans la serre, quoi. Voilà, alors les nœuds utilisés à la pêche peuvent également avoir leur utilité au potager. C'est ce que je me dis en réalisant ce nœud. Voilà. Qui est finalement un nœud de cuillère. Pour les pêcheurs qui se trouveraient parmi vous. Voilà, ça marche très très bien. Voilà, ça bougera plus. On y va. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas concernés mais qui pourraient être intéressés par ce nœud, je vais vous le montrer. Il peut servir bien des choses, pas seulement à la pêche et pas seulement dans la serre. Donc voilà, donc je passe de part et d'autre de mon tube avec mon fil et je viens tourner de cette manière plusieurs fois et ensuite je viens repasser l'extrémité de mon fil dans la boucle là-bas à l'origine et je repousse le tout. Alors, je tire un peu, voilà, je repousse le tout contre le tube. Voilà, le nœud de cuillère qu'on l'appelle effet et je viens l'assurer par un nœud supplémentaire, une simple boucle qui viendra reprendre autour du nœud initial. Voilà, là je vous garantis que ça, voilà, c'est la corde qui va lâcher mais le nœud ne cassera pas. Voilà, donc les cordes sont en place et c'est vrai que ça me donne un peu un sentiment de sécurité, encore une fois un peu plus grand, je pense que c'est mieux. La bâche rentre beaucoup moins, elle me paraît curieusement beaucoup plus tendue, alors que je n'ai pas travaillé sur sa tension à proprement parler. Bon, je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça, elle va beaucoup moins entrer dans le tunnel. Et puis je verrai aussi sans doute un peu plus tard pour trouver une solution
contre les frottements peut-être de la bâche à certains endroits, contre l'armature. Je me demande si à long terme ça pourrait pas abîmer sérieusement la bâche. Voilà donc nos premières salades. Ça c'est très bien, on les a plantées il y a une semaine. Je vais en ajouter 6 autres qui accusent un petit retard végétatif par rapport à celle-là, donc ça devrait nous donner une récolte un peu décalée. C'est bien, hein, c'est clairement là les tout premiers finalement résultats qu'on peut observer là au potager. Voilà, donc on est plutôt content, c'est bien. Bien à l'abri, la serre fait son office. Il fait plutôt doux dans la serre et puis tout en préservant aussi un climat humide qui d'ailleurs sera peut-être défavorable par la suite aux cultures prochaines. On verra bien. J'ai un peu peur des champignons, ce genre de choses. Enfin voilà, aujourd'hui ça semble très bien fonctionner comme ça. Il a gelé un tout petit peu cette nuit, donc je me propose de protéger un peu quand même les plantations récentes de bulbes, oignons, ail, échalotes, avec un dispositif de ce type. Hein, il s'agit simplement d'un voile de forçage, hein, qu'on appelle couramment du P17. Voilà, ça coûte presque rien au mètre carré. Et ça va me permettre peut-être de garder 1 ou 2 degrés un peu au-dessus de la température extérieure, juste sous ces voiles. Voilà, ça sera très bien. L'intérêt également de ces produits-là, c'est que ça laisse passer la pluie, par contre. Hein. Voilà, c'est tout à fait perméable. Je me contente de faire tenir le voile avec quelques punaises dans les planches qui entourent les parcelles de culture. Bon, c'est peut-être pas suffisamment solide. Rebouché avec de la terre, là je peux pas trop. Et puis je me dis que finalement si ça tient pas, c'est pas super grave non plus. On verra bien à l'usage ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un voile qu'il faut aller chercher là encore en coopérative agricole, hein, au mètre. C'est 4 mètres de large et puis ça vaut 1 euro et quelque chose le mètre linéaire, c'est vraiment pour rien quoi. Je vais chevaucher légèrement les parcelles qui sont encore recouvertes de foin. Voilà, de manière à bien essayer de bien enfermer, disons, la culture de bulbes dessous. Et voilà. C'est très bien. Bon, alors ça c'est assez incroyable, j'avais pris 3 longueurs d'1,50 m, c'est-à-dire 4,50 m, sachant que le rouleau fait 4 mètres, c'est parfait, ça me permettait sur 1,50 m de recouvrir bien à cheval les planches qui font, elles, 1,20 m. Et par le plus grand des hasards, j'avais apprécié visuellement, mais je n'avais pas mesuré, et par le plus grand des hasards... Eh bien, j'ai juste ce qu'il me fallait, quoi, juste la quantité nécessaire à recouvrir les endroits où les oignons ont été plantés. C'est vraiment parfait. Alors, je vais conforter encore un peu avec quelques punaises. Il se peut très bien que je revienne demain matin et puis qu'il n'y ait plus rien, hein, que ça se soit envolé. Bon, quel cas, ce sera pas très grave. Je pense vraiment que ça mérite d'être tenté. On verra, ça fera une expérience, on verra un peu si ça tient. Ma foi, je pense que ça peut quand même aider un petit peu ces plantes-là à affronter les frimas des gelées matinales, là, les fameuses gelées blanches qui nous attendent au printemps. Voilà, encore une ici. Alors il faut aussi que je mentionne une rencontre que je viens de faire là, super.
avec Pascal, qui suit l'aventure du potager qui dit non depuis le début, manifestement, et qui est venu me rendre visite sur place. Je trouvais ça super. C'est vraiment, on peut passer du virtuel au concret, hein, au réel. C'est vraiment très bien. Merci encore Pascal pour ta visite, c'était super. Merci aussi pour les quelques graines et échalotes que tu m'as gentiment déposées au passage. Le YouTube, finalement, c'est vraiment très bien et ça peut mener aussi, à des échanges, encore une fois, très concrets et riches, très, très enrichissants, en tout cas pour moi, hein, très, très clairement. Eh bien, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais donc refermer la serre et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode au potager qui dit non. Ciao, ciao.